Salut à tous, c'est Scriptix pour le 4e épisode de UAVD. Donc là, on est avec Dominique de Hasman Technologies. Voilà. Une société française. Société comme française. Son nom l'indique. Dominique, c'est le directeur commercial. Voilà. On a fini l'UAVD là, il y a précisément 30 minutes. Et on a tout vendu. Il a tout vendu, même les drones, mais par contre, il a encore 2-3 trucs à nous montrer. Et surtout, ce qu'il faut citer, c'est que, a priori, au niveau innovation, vous avez été cité. Voilà, on est dans le team gagnant, voilà. Sur la lutte anti-drone, mais bon, c'est. Voilà. Quand il y a des drones, il faut aussi les savoir les faire tomber quand il faut. C'est ça, c'est le but. Il faut bien s'amuser. C'est ça, il faut que tu fasses comme ça. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hasman Technologies, vous n'en entendez pas trop parler au niveau du drone en France, parce que vous opérez surtout à l'étranger, de ce que j'ai compris. On est plutôt export, oui. Voilà, et. C'est quoi votre cœur de métier? C'est les transmissions. En fait, nous, notre métier, c'est de diffuser de la vidéo sur des distances très très longues. On fait ça pour le Tour de France, on fait ça pour d'autres clients. Quand on dit distance très très longue, ça peut être en centaines de kilomètres. Quoi. D'accord. Donc on fait avec des systèmes antennaires, on fait de l'envoi de vidéo. On pilote la vidéo d'un drone ou d'un avion depuis un point au sol qui peut être distant à 100 km par exemple. Ouais. Alors si vous voyez derrière nous, en fait, on a un drone. Voilà. C'est notre joujou. On est sur du drone costaud. Hein. On est sur, à mon avis, le plus gros drone qui était exposé ici. Ouais. Envergure combien ? 7 mètres d'envergure, 250 kg au démarrage. On peut c'est mettre. Un avion. C'est quasiment un avion. C'est un planeur. Ouais. Avec un joli petit moteur allemand, Aerotax. Ouais. Et voilà, ça a son parachute, tout ça. Et là, on est sur des missions essentiellement de la surveillance maritime, au large, ouais. Loin. Pour aller surveiller les pêcheurs ou tous les trafics qu'on peut avoir au large. On monte une caméra, on monte des radars, on monte ce qu'on appelle des capteurs. Ouais. Donc pour voir, détecter d'abord, voir ensuite et identifier enfin. Et puis on monte notre système de communication pour le piloter à des distances qui peuvent être 100 km ou plus. Quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui vous volez en France ? Parce que tu Alors non, France non, non, parce que la réglementation elle est scalée, alors ça évolue. Là, on travaille pour avoir le droit de le faire voler, mais pour le développement en France. Ouais. Mais c'est des projets qui sont pour l'export. Ça. C'est l'Afrique, l'Asie, c'est par exemple toute la surveillance maritime. D'accord. Alors, c'est une très bonne question. En France ? Ben, non, oui, c'est qu'en France, un pilote de drone comme ça, il est pilote d'avion. Oui, c'est ça. À l'export, c'est pas forcément le cas. D'accord. Et donc, du coup, il faut la première chose à faire pour piloter un drone comme ça, il faut savoir piloter un avion parce que vous prenez... Il faut sentir le vent, les problématiques de portance. Il faut le sentir par soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on utilise notre avion léger, notre ULM, pour former les pilotes, justement, qui ne sont pas pilotes. Donc, tu formes les pilotes pour le drone sur des avions légers comme ça, ouais. Sur le Savannah S. Voilà, c'est un ULM, hein, c'est un gros ULM. C'est le plus gros des ULM et le plus petit des avions. Et tu peux les filmer dedans, hein, c'est complètement équipé, il y a notre data link à l'intérieur. On va se faufiler dedans. C'est bas de plafond. Ah bah t'es pas... Oui, non. C'est... Voilà, donc c'est un avion et ici, en fait, de ce côté-là, on met toute l'électronique. Alors, de ce côté où ? De ce côté-là, on a... Alors là, la data link, elle a été exposée là-bas, mais on va mettre les systèmes de transmission, l'ordinateur de bord, l'interface avec tous les capteurs. C'est un peu comme une DeLorean dans Retour vers le futur. Voilà, c'est exactement ça. Et si tu filmes en dessous, alors ils viennent de l'enlever. Mais en dessous, oui, ils viennent de l'enlever, il y a la caméra qui est fixée en dessous. En fait, nous, on a une approche qui est un petit peu singulière. On aime l'aviation, mais ouais. En fait, on est concentré sur le client. Et souvent, le client, c'est un peu le pilote. Alors, il veut le bel avion, le bel hélicoptère, voilà. Mais quand on regarde vraiment l'objet, c'est de détecter... je ne sais pas quoi, un intrus dans un espace maritime. Ouais. Si on prend en compte le client, le budget, ses enjeux et tout ça, la réponse n'est pas nécessairement un hélicoptère, un avion très cher. La réponse peut être un avion léger, un drone tactique, un drone plus petit, un drone plus grand. Voilà. Donc nous, on part du besoin du client. C'est ce qui a été soulevé d'ailleurs dans la remise des prix. On n'est pas là pour proposer des avions de voltige, des avions le plus rapide. C'est pas ça. On est là pour satisfaire le besoin du client. Donc on part toujours de ce besoin-là. Voilà. En fait, nous, si on a lancé notre l'avion, c'est un avion qu'on achète et qu'on modifie, mais le drone, on le développe. Si on le développe, c'est qu'on ne trouvait pas sur le marché le produit qui nous correspondait. Quoi. Le salon montre bien d'ailleurs qu'il y a énormément d'activités sur des objets, alors grand public, des objets intermédiaires entre le grand public et ce type d'objet. On ne voit pas beaucoup d'intervenants sur ce type d'objet. Et après, vous allez avoir des plateformes américaines ou israélienne, ou bien plus grande, bien plus ambitieuse, complètement inaccessible en termes de budget, en tout cas à un certain nombre de clients. Quoi.
Est-ce que pour toi un télépilote formé, tu sais, qui n'est pas le diplôme d'avion, mais qui est formé télépilote, c'est comme sur des drones qu'on a pu voir aujourd'hui, et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que pour toi c'est un plus au niveau du pilotage de ces appareils d'avion? Bien sûr. Il faut qu'il monte dans l'avion pour vraiment sentir la portance, parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ouais. Mais bien sûr, quelqu'un qui j'ai assisté aux démonstrations, quelqu'un qui a la compréhension du drone, de ses enjeux, ainsi de suite, bien sûr que c'est un plus. On va aller dans la cabine, parce que la cabine, c'est digne des films américains. C'est un espace climatisé. D'accord. Voilà, donc là on est dans un centre opération. Donc d'un côté vous allez avoir le pilote du drone. Avec des outils d'aide à la... Donc là évidemment on est en mode simulation. Mais avec des outils d'aide à la... planification, à l'automatisation de son parcours, ainsi de suite. On peut lui fixer des waypoints et tout ça. Ouais. Et de l'autre côté, on va avoir l'opérateur caméra ou radar ou senseur qui, lui, va travailler sur le pilotage de la caméra, les réglages, l'activation de la voie jour, de la voie nuit, voilà. Ok, bon, bah écoutez, c'est super. Merci Dominique pour toute cette visite. Et merci à vous de m'avoir évité de la séquence de démontage. Ouais, bah de rien. Voilà ce que c'est un drone. On est sans passé aile. D'un drone à un missile. C'est un peu ça, on est dans l'idée. Bon bah écoutez, voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était la fin aussi de cette UAVD. On vous remercie. Dominique, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis nous on se revoit bientôt pour d'autres vidéos avec Scriptix et Folder. Dans d'autres vidéos, on va vous montrer d'autres activités qui sont en relation avec le drone. On va tourner avec nos drones. En attendant, vous pouvez toujours liker la chaîne et ainsi de suite et vous faire plaisir à regarder nos vidéos et à les diffuser. Vous vous voyez l'année prochaine? Ah bah bien sûr. Et bah c'est super. Bon bah écoutez, merci à bientôt aux organisateurs du AVD. Ouais, et puis surtout voilà, merci à tous les gens du AVD. Allez, à bientôt, ciao ciao. Bye bye.